Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Rookie live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Un endroit particulier que je cherche. Un poil de crocaba, deux parasites natames et un crâne de bélier. Bon, on l'a. Je dois aller où? Je viens de parler à quelqu'un qui n'était pas là. Oh, j'espère qu'il était mais invisible parce que c'est la seule à m'avoir suggéré un moyen de franchir les... Ok, je pense que je sais c'est où. Et voilà. Et là. Merveilleux spécimen. Un réactif puissant. Et le dernier. Et le dernier ingrédient. À présent, à moi d'œuvrer. Voici le masque. Le nom apparaît ici. Et vous voulez dire d'invisibilité? Porte-le et nul te verra. Ça m'a l'air assez génial. Mais franchement, je suis impatient de l'essayer. Merci. C'est le donc. On peut pas l'essayer là, de toute façon. Faut mieux commencer par faire ce qu'elle dit. Sur la masse, appuyez sur LTRT. Alors moi-même, je ne vois plus. Peut-être prenez un masque puissant. Où je peux aller voir le cerf maintenant. Tu peux et tu dois avant que la forêt ne soit perdue. Mais tu n'es pas prête pour ce qui t'attend. Tu peux maintenant te déplacer sans être vu, mais es-tu capable de voir? Je vois les trucs magiques, que vous voulez dire. Pourtant, tu ne vois pas moi, diable herboriste. Ça ne va pas, il faut d'autres ingrédients pour un autre masque. Un masque de clairvoyance, d'accord, je pourrais être plus utile. Consulte la nouvelle liste et reviens vite. Mais vous commencez par faire ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ce nouveau masque? D'abord, le globe d'un champignon à globe oculaire. Pourquoi les objets magiques ne peuvent pas être tous mignons? Ensuite, une portion de semences de salamandre.
portion, je mesure ça comment moi? Et après ça, il faudra un crâne de hibou. Je vis de 3 lipiotes bleues. Pas moins traversé, pas question de nager. Ah, le pauvre marais, il a raison de lui. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Ça va, mais seulement c'est l'amande, enfin, je crois. Je peux quand même pas mettre ça dans ma poche. Et voilà. Et voilà un charmant bocal de semences de salamandre. Je passe, mais il doit y avoir un moyen. Tiens, mais comme il... doute. Allez, coup d'épée. C'est bon. Opinion. J'ai trouvé les piottes. Oh, il y a quelqu'un? Hein, qui a dit ça? Moi, qui a dit ça? Moi, Tov. Quelque chose doit nous cacher l'une de l'autre. Celui-là, je le reconnais, c'est un satyre de dentelle. C'est une pelote d'injection, de réjection. Il y a d'avoir quelque chose en dessous de ça. Un crâne de hibou. Yes. C'est ce dont j'avais besoin, un crâne de hibou. Ça va marcher, réfléchis encore, Tov. Cet endroit devait être un sanctuaire autrefois, comme ceux où j'ai trouvé les autres gardiens. Et voilà le cerf. Il n'y a que lui qui est recouvert de corruption. C'est le lieu tout entier. Un autre col d'invocation, recouvert de mucus comme tous les autres. Comment je vais faire pour nettoyer ça? Ne sont pas, je peux les couper, mais elles repoussent immédiatement. Mmh.
On voit ce qu'il voulait mettre. Champignons de globe oculaire, semences, crâne de hibou, 3 lépiotes bleues. Oh, les piottes bleues. Ben ça là. Les pièces de plus. Et ça, c'est les champignons. Un champignon avec le globulaire. Ouais, il manquait une lipiote. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé.
Oh, de lave, de libellule. Mon journal. Sur ces trois. Ah, l'autre est là. Voilà. Un réactif puissant. Excellent collègue. Un réactif puissant. Un objet puissant. Ok, je vérifie la liste. Figure-toi qu'il y a encore des ingrédients pour le chaudron. Une dernière, l'épiote bleue. Et on sait au moins c'est pas par là. Et encore une, et deux, trois. Tu niaises, était caché là. On m'entend, la vois-tu bien? Ah, on la voit probablement, ok. Le dernier ingrédient, présent à moi de vrai. Et voici le faux semblant de réapparition. Il n'y a plus vendeur comme nom. Mais je peux voir ce qui a été caché par magie. Ça fait, utilise-le et bon, en bon escient. Vous êtes vraiment puissant, pas vrai? Voyons ce que j'ai raté. Merci encore. Enfile-le dedans pour voir. Voilà. Enchanté, je m'appelle Micelle. À ton service. Comment te sens-tu après avoir vu à travers la voile? C'est sympa, vous ne faites pas peur du tout. Eh bien, merci, j'imagine. Donc là, je peux voir à travers la magie. Et maintenant? Comme tu l'as remarqué, la forêt est fâcheuse, en fâcheuse posture.
Le fléau de rouille propage sa corruption. À une cadence effrénée, j'ai vu partout dans le coin. Les sœurs détiennent la source du mal. Les champignons sapent ses pouvoirs, nous devons l'aider. J'aurais besoin que tu apportes 3 échantillons frais des Natablem. Pour retourner le pouvoir parasite contre lui. D'accord, c'est promis. Comme je les trouve. Comment je les trouve? Malgré son aspect vil, il est bien vivant. Ton masque te le révélera. Eh bien, je vais chercher ça pour la forêt. Ou le cerf pour Lars. C'est le frère dont tu parlais. Oui, il a été enlevé. Je comprends. Les humains ne viennent pas ici sans une bonne raison. Je vais le ramener. On a donc 3 échantillons des nappes d'ABM. Suffit. Ça va être facile. Comme tu... Notre corps d'invocation, couvert de muscles comme il reste ici, comme ça pour nettoyer ça. Bon. Fonctionne pas, je peux les couper, mais repousse immédiatement. Ah, je comprends. Et la petite maison. Que c'est un autre foyer. On dirait un chat de païs, parfait pour planter des trucs. C'est un moyen, chapeau. Ça doit aller la tablème. Faut que je trouve un moyen de monter. Il est de la petite maison. C'est mieux. Bon, c'était de l'open instant.
Bah, il s'est pas disparu. Attends, là, tu l'as coupé. On le déterre. Moi aussi, je m'en irais si mon jardin était long. Rien. Yes. On va regarder dans le pire des miroirs magiques. Lâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas lui, mais alors qu'est-ce que c'est? C'est papa. Qu'est-ce qui se passe? Toi que j'entendais tout à l'heure. Oui, je dois. T'as l'air gentil. Je peux me faire sortir de là? A pas l'air bien méchant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais faire une petite sieste sous mon champion préféré et à mon réveil, j'étais pris en piège. Comme... bien entendu, j'ai laissé mon bâton magique chez moi. Tu peux me rapporter, s'il te plaît? Sûr, ça n'a pas l'air trop dur. Merci, tiens la clé de chez moi. Je vais près d'un arbre. Merci, ça m'avance bien. Il est là. Oh la mauvaise adresse. Il n'entre pas. Attends. Attends, mauvaise adresse. Il est là. S. 1. I. Ne dois pas s'asseoir. Endroit.
Je crois pas que ça soit le bon endroit, hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le bâton de cette œuvre, la baguette magique. Bâton. Oh, voilà ta baguette. Oh, bah tu parles de mon bâton. Tu peux l'utiliser sur ce champignon. Pense à des choses magiques qui agrandissent. Ok, c'est parti. Ouais, je suis libre. Merci, j'avais peur de finir en pâture pour finir. Ravi d'avoir pu être utile. Voici ta baguette. Regarde-la. Cette magie sylvestre est devenue instable ces derniers temps. Quelque chose me dit que tu peux nous aider. La confie vraiment, la forêt parle à mi-voix de ton périple. Le pouvoir de croissance et de décroissance de cette baguette devrait être utile. Merci, je vais faire ce que je peux. Natablem. Ah, le champion est vraiment un fléau. Comment se fait-il qu'il a l'air étrangement douce? À quoi qu'il essaie de m'appâter, il faudrait mieux que j'y vais. Merci. Pas vraiment toi. Là, tu vas bien. Un peu surprise. Il a l'air solide, monsieur. Mais mon poids. Je vais faire trop petit pour supporter mon poids. Agrandissement. Grandis, petit champignon. Faut que je me rapproche. Il est temps de grandir. Plus dégueu de près. Et voilà. Les tablettes sont vraiment immenses.
Agrandissement. Agrandissement encore. Pourquoi pas celui-là aussi? Un nouveau tableau. Il manquerait un champignon logiquement. Pas trop mon affaire. Thank you.
Hello. Oui. Ok, c'est bon.
Voilà, petite.
Donc c'était tout pour le jeu. Ok, like, slash. Facebook, Canada. Oh, yeah.